Bon, à moins que tu veuilles co-caster, je vais me décaler. Qui est Monkey? Toi, Monkey, mais sans Rayu. le S. Non, j'ai dit Oh, toi, à moins que tu veuilles co-caster, je vais me décaler. ok. Ouais, si tu veux, je crois. Essayons de pas m'endormir. Mais je vais quand même me décaler et te faire venir. Ouais, on a abandonné Titus. Bon, on va le prendre aussi. Oh non! Ok, on le prend pas. Ouais! Tu le bougeras toi-même quand il sera revenu, qu'on lui explique si t'en veux vraiment pas. Voilà. Ah là là. Il va pleurer. Comme toujours. Non, je rigole. Tac, peut-être me mettre sur la scène de début, là, vu que j'ai déjà lancé le live, mais que j'ai complètement oublié. Hop, j'ai lancé la petite pub. Je vais t'envoyer les drafts pendant ce temps. Ok, donc ils ont fini les drafts d'ailleurs. Alors, est-ce que Discord est bien allumé? Mon micro aussi, a priori on est bon. On va rajouter Rayou dans le titre. Alors, T'as quoi comme avatar sur, sur Twitch? Parce qu'il y a plein de Rayu. question. C'est un viking. Mais C'est c'est un avec une peu. tirelire, oui. Ah oui, avec le underscore. Ok. Paf. Ouais. On valide. En fait, c'est une pochette de CD de Powerwolf. Ok. Ah, si, c'est moi. C'est le bon. Allez, je vais partir Je tout vais de suite avoir sur la plein de scène gens de sur ma casse. chaîne que j'ai pas. Et exactement. Ça, tu seras déjà prêt à la lancer. Si un jour t'en prenais l'envie. Oula. Ok. On va partir tout de suite sur les drafts, comme ça on perd pas de temps pour rejoindre le direct, parce qu'ils ont certainement déjà commencé. Donc on peut montrer déjà la petite draft map où il y aura. Qu'est-ce qu'on a banni? Insurgency, donc la map la plus classique. African River, c'est aussi pas mal classique comme map. Donc Florimond qui veut pas jouer les maps classiques, ce qui est pas étonnant du point de vue de son profil. Coral Island et Sand Forest pour Yumino. Un petit peu étonnant la Sand Forest. Surtout si on voit que l'adversaire veut pas jouer des maps classiques, bah autant garder Sand Forest. Qui fait partie du trio de la facilité. Ah par... non, 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 attends, c'est African River qui l'a banni. Ah oui, African River, ça m'étonne. Elle est bien comme map pourtant. Ça aurait dû lui inspirer des dingueries à Florimond, African River. Ouais. Moi, je suis un peu blasé. Il y a des choses que je voulais faire sur CF, sur African River, et j'ai pas pu. Amidouche a été trop au taquet. Et je voulais lame l'unique sanglier avec Go en faisant instant loom. En allant le prendre sous TC, parce qu'avec juste 3 péons que tu rentres dans le TC, bah, même si tu prends 2 salves de flèches, tu meurs pas. Oui, c'est très très sale, mais je pense que la map est faite pour ça. Ouh, il en est fait pour. Et donc on va commencer sur Starfighter. Donc on a de la map hybride, on a de la map late game avec Rocky Glade. On a quoi? On a de la Shadow Ring qui va jouer
Luto Arabia, je pense, et Frozen River où tout est possible. Donc on a intérêt à avoir une draft sieve polyvalente. J'aime bien les maps. Ouais, il y a des Pour bonnes ça. choses. Après, le map pool du CF est déjà est quand même sympa. Il payait pas de mine comme ça de prime abord, mais en fait, il est vraiment sympa. Ok, donc du coup, côté Florimond, on a quoi? On a de l'italien pour de la map hybride, on a du mongol qu'on va peut-être jouer. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Peut-être sur Pitland, non, c'est pas très utile. Peut-être sur Shallowring? Ou sur Rocky Glade? Frozen River, ça peut être utile. T'as pas mal de sangliers. Ah, c'est pas faux. T'as pas mal de Ouais. chasse. C'est vrai qu'il y a des jolis spots pour dans un second temps, ça peut quand même être utile d'avoir Mongol. Ou éventuellement compenser le fait que tu fasses pas ton TC au milieu. Il serait prêt à faire ça, Florimond. Le connaissant, oui, c'est possible. Pour le coup, on a des belles drafts des deux côtés. Il y a des cifs quand même très très fortes de chaque côté. Par contre, le pic aléatoire, bon, il a de la chance, il tombe sur une bonne cive, mais c'était dangereux, quand même. Même s'il va certainement se plaindre parce qu'il ne la connaît pas. Chumino, c'est enfin, il n'y a pas beaucoup, enfin sur Florimont, il n'y a pas énormément Bah, Florimond, de caves. Berber. il peut jouer cave avec tout. Bon, c'est par rapport à ce qu'il y a en face. Ouais, par contre, y a des gros chameaux en face. Hein. Il C'est y a ça, trois c'est cives avec pas. des gros chameaux. Il vaut mieux pas jouer cave, effectivement. C'est ça, tu vois, là. Mais on a Birman. Birman, on a des très très bons piquiers. Italien, on a de l'U qui est vraiment pas mal aussi pour contrer la cave. L'arbre génois, ça va doublement contrer les chameaux si jamais ça part chameau. Et on pourrait ouvrir Scout pour le bait pour le faire partir chameau, justement. Y a des choses à faire. Et en plus, Malien, Farimba, on peut aussi en late game contrer idem, Berber, on paye moins cher. Donc on peut quand même faire des choses, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a une. La draft Yumino semble plus forte. On va aller voir la première game, voir s'ils ont lancé. Pique Khmer. En fait, je vois pas sur quelle map tu joues Khmer. Y en a beaucoup qui aiment bien les jouer sur Frozen River dans les 1000-1100, parce que tu sais, t'en as un peu de partout, donc d'avoir des maisons pour rentrer tes péons, c'est intéressant. Après, c'est sûr que sur les maps hybrides, ça va pas être intéressant, donc ça va être soit Frozen River, soit Rocky Glade. Et en dehors de là, ça serait pas très pertinent de jouer Khmer. C'est Rocky Glade, t'es loin, donc tu peux FC, FC unité unique. Peut être intéressant. Ouais, c'est vrai que tu peux cut le milieu pour passer plus vite. Oh, tu peux cut le milieu, mais oui, mais tellement! Ouais, mais d'un côté, tu peux pas wall. Pas constructible autour de la forêt du milieu. Ouais, mais t'as des maisons. Du coup, tu passes. Ouais, mais tu passes quand même. Tu peux pas wall. Ouais, c'est pas un problème ça. L'important c'est que tu puisses rentrer, ne serait-ce que pour toi, prendre un spot d'or, tu vois. Alors que l'adversaire n'aura pas ouvert et tu peux l'empêcher de passer, du coup, vu que t'es premier à être dedans. Ouais, c'est pas faux. En plus, mettre un éléphant ou deux à baliste, faire chier la récolte de bois, ça peut être pas mal. Empêcher de passer. Et salut Arcos, désolé, je regardais pas trop le chat pour l'instant. Je C'est ici pour le match de l'année. Alors je sais pas si ce sera le match de l'année vu la motivation et le fait que Florimond soit en connexion de données. Mais c'est ici pour le BO5 de Florimond et de Yumino. Yumino qui aura beaucoup casté du CF cette saison. Et qui fait partie du clan Fish dans lequel est Zoko.
Ils ont pas lancé la première game encore, hein. Ils sont un peu au ralenti, ils doivent beaucoup trop discuter. Ah, Fleury, il discute beaucoup, lui. C'est pour ça que j'ai pris mon temps avant de lancer, et malgré ça fait 7 minutes qu'ils sont dans le lobby, c'est-à-dire que ça fait 7 minutes minimum qu'ils ont fini les drafts. Ah, je dis ça, je dis rien. Je suis pas sûr qu'on soit beaucoup en tournoi à avoir attendu 7 minutes avant de lancer une game, à moins que quelqu'un soit parti pisser. Et qu'il ait eu beaucoup de difficultés à pisser. Et c'est lancé. Il suffisait de le dire. Du coup, on va certainement avoir le délai spectateur. Tu lances aussi de ton côté, du coup? Ou tu veux que je te fasse une diffus? Ok. De toute façon, on va être sur le direct, donc c'est parfait. On va en faire une petite. Donc on n'est pas nombreux pour l'instant, donc on va peut-être pas faire des prédits. On va retirer ça. Tac. Que j'aurais pu le laisser pour aller montrer un peu les profils de joueurs en attendant que ça lance. On va spoiler les civs, il y aura Gurjara contre Malien sur Starfighter. Ils sont bien sur l'eau. Pardon, les Gurjara. Pas fan. J'avoue que je connais pas du tout Non. leur doc. Non, non, ils sont pas. Il n'y a pas spécialement de bonus dessus. Ok, donc Un peu Yumino, c'est quand même surpris. un OTP Khmer. T'es un peu surpris du Surpris de pic? son pic. Hein. Ouais. Ouais. Ça m'étonne aussi un peu. Alors, je vais regarder quand même la fiche sur le tech tree. Ah, ils ont pas les bateaux. Non, non, c'est pas eux qui ont les bateaux. Non, c'est les Dravidiens qui ont des bateaux uniques, pas mal. Bateau qui se régénère, c'est les Dravidiens. C'est pas les. C'est... Ils se mettent en garnison, non? Pas eux. Non, ça doit être les Malais, me semble-t-il. Non, les Peut-être. Gurjara, ils sont pas connus pour... Là, du coup, je suis dessus, ils ont rien. Ils ont genre vraiment rien. Les navires de pêche peuvent rester... Ah si, ok, c'est eux. Ok. Ouais, Ouais, bon, t'as après, c'est raison. pas non plus génial. Bah disons que tu pars du principe que tu vas te faire suffisamment aggro pour devoir cacher tes bateaux de pêche quoi. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur bonus, tu vois, tu préfères piquer un byzantin et avoir des meilleurs players pour gagner la fight. Ouais, et Florimond, c'est pas un joueur haut. Vraiment pas un joueur haut. Ah, c'est pour ça que pour Florimond, le pic Surprenant. malien, du coup, il est pas si mal parce que ça va lui permettre de fiche à moindre coût, vu qu'il va faire des économies sur ses bâtiments au niveau du bois. Donc même s'il perd l'eau après, il s'en fout en fait. Ouais, c'est ça. Mais... Ouais, Gourjara, je suis assez surpris quand même. Et donc la game se lance. Théorie. Alt D, paf. Ok. Donc le match-up improbable, même si Malien aurait pu être prédit. En même temps, il avait quoi? J'ai même pas regardé vraiment les drafts sur, en me disant qu'est-ce qu'il a pour jouer quoi. Moi, j'aurais plutôt vu un Yumino. japonais. Ouais, Japonais ou Sarrazin, tu japonais. vois, surtout. Effectivement. Japonais ou Sarrazin. Après, il y a clan des Frozen River où il veut peut-être jouer l'eau aussi. Donc il faudrait 3 sifs pour jouer l'eau. Et c'est vrai qu'il en a que deux. Et il avait Chinois dans sa draft qui s'est fait sniper, donc il... Il était peut-être un peu perplexe sur ce qu'il devait jouer. Après, là, il joue. Classique. Le moulin, mais le moulin, je le trouve un peu tardif. Ah oui, c'est vrai que du coup il est Kurshara, donc il doit faire le moulin, donc du coup le dock il sera vraiment pas fait tôt. C'est compliqué ça. Comme il a scout avec ses moutons, ses moutons sont, pas sont loin. Et
Bon, là, au moins, si son adversaire joue pas l'eau, bah, il aura quand même un petit avantage. Si son adversaire joue un tout petit peu l'eau, qu'il a que deux bateaux de pêche, le fait d'avoir un moulin plein, ça compensera en partie un bateau de pêche. Ah, mais ah, Florimond qui est passé juste à côté de ces deux boutons, à côté de l'eau. Où ces deux moutons, je vois pas. À gauche du milieu. Ah oui, c'est comme si c'était tout blanc, je les voyais pas, effectivement. Aïe aïe aïe. Ça Et peut Yumino, c'est être pareil, un. hein. Enfin, il a vu un des boutons. Hein. Alors, abattage qui est compliqué. Et qui tarde un peu côté Florimond. Enfin, qui tarde un peu. Oui et non, du coup, vu qu'on est sur un build hybride. Là où il a été plutôt intelligent, c'est qu'il en a mis 4 au bois. Ouais. Il s'est pas planté, là, il n'en a pas mis 5. Bah, il peut en Peut-être mettre moins 5, hein, ça cher. dépend des BO. Ouais, mais tu vois, vu le trajet que la péone a à faire, Ouais. Oui, par contre, oui, il faut pas envoyer forcément effectivement. déconnant. Par contre, il faut faire le port. Ouais, son timing est bon, hein. Il arrive alors qu'il a 165 de bois. Franchement, c'est un super timing pour commencer à poser. Donc, très maîtrisé. Sauf qu'il est en train de pêcher avant de faire le port. Aïe, 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 Florian, la gourmandise, il aime trop le poisson. Ça va qu'on a un meilleur worker efficiency, du coup on est légèrement devant le Gurgara qui devrait être pourtant légèrement devant de son côté, même s'il a récolté des baies avant de récolter des moutons. Le moine au milieu. Il est comme un mois, il est pas au milieu. Ah oui, il est un peu buggé là, oups. Ouais. On est d'accord, hein, là, bah, t'as même pas besoin de faire d'archer. Oui, tu vas avec le scout. Effectivement. Génération originale, j'ai jamais eu ça. Après là, c'est une faire pour personne. Hein. S'il y en a un qui scoute, qu'il est sur son scout, il le verra. Il pourra en profiter ou pas. Et l'éclaireur de chamalerie, est-ce qu'il résiste aussi bien qu'un scout normal? Il me semble que ça a à peu près les mêmes stats. C'est On va pareil. aller voir ça tout de suite. Ça, ouais, tant qu'il n'est pas passé. Alors, 70, 2 plus 0, 1,20. Ah, tu vois, il a même plus d'attaque le scout, mais il a moins de vie. Donc, ça doit être à peu près kiff-kiff. Peut-être un petit avantage pour le lecteur de chamellerie. Ok, donc Florimond qui décide d'aller prendre ses baies pour pas rester inactif sous son TC. Pourquoi pas? T'as Yumino qui va pouvoir cliquer. Ah bah, il a cliqué. Alors, Florimond, lui, il galère là. En même temps, c'est normal, parce que dans le BO, il manque toujours deux moutons. Il a aussi moins d'idle TC. Ouais, ça aide à cliquer, ça, d'avoir de l'idle TC, mais pas pour le meilleur, parce qu'on va arriver féodal sans trop d'écho. Que Florimond a des fiches. Ouais, Là, bien c'est nos petits pour l'instant. le Par contre, péon. ils vont rapidement ne plus l'être, hein, donc il faudra avancer le dock. Faudra pas s'oublier là-dessus. Là, il a deux péons, deux fiches. Ça peut faire mal, hein? Du coup, les deux joueurs qui ont cliqué. J'aime bien le petit wall TC. On rappelle qu'il ne faut pas hésiter à avancer jusqu'au TC. Là, le problème, c'est que si l'adversaire il ouvre scout, bah, il va pouvoir forcer le passage très facilement, sans prendre aucune flèche. Qui a fait un port mais qui a rappelé le péon. C'est dommage, ça. Bon, au moins, on fait le dock. On va compenser un peu le retard qu'on a pris et on a essayé quand même de jouer sa cive avec le moulin. Donc. On n'est pas trop derrière en récolte éco, ça va. Et on va pas continuer à se faire snowball.
Et du coup, c'est Yumino qui aura trouvé les moutons de Florimond à 10 minutes passées. Salut Dio. Va être pas mal, ça va finir de remplir le moulin. Mettre en x2 pour être sur le direct exactement. On sait trop jamais. Laisser ses moutons à un Gurjara, miam miam, effectivement, là, si Yumino avait scouté un peu plus tôt par là-bas, ça l'aurait tellement mis bien dans son âge sombre. Ça aurait vraiment compensé le fait de pas avoir docké, du coup. Bon, en tout cas, d'avoir docké tardivement. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il Yumino, a... c'est dommage, hein. T'as vu, Il il a était oublié rentré son doc, chez hein. Florimond. Ouais, j'ai pas vu. Tu sais, il était rentré chez Florimond, il avait pas l'oomph Florimond. Il aurait pu faire quelques dégâts avec sur le bois avec son chameau. Ouais, en tout cas, il aurait pu mettre du stress, effectivement, si Florimond avait vu que ses péons, il perdait. Oh, en plus, il y avait une péone sous TC, là, qui aurait pu être snipée, surtout qu'il avait pas grand monde. J'en vois une sur les fermes, là, qui a pas de vie. Un coup de... Deux scouts sans loom, c'est fini. D'ailleurs, la pose des fermes de Yumino, compliquée, à une case d'écart. Ah, c'est bon. Bah, il joue Fire. Ok, on fait son petit fire, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait côté Florimond, on fait rien sur l'eau, donc ça va être un petit peu dangereux, mais la pêche aura eu le temps d'être rentable si jamais on se la fait prendre le temps que le fire arrive. Vu qu'il a pas scout le port, bah, il est en train de le faire avec ses scouts là. Le problème, c'est qu'il va pas du bon côté. Bah, en vrai, ces scouts, il vaut mieux qu'ils aillent dans l'écho de l'adversaire. Il n'y a pas forcément besoin de prendre l'info du dock ou alors avec un petit bateau de pêche. Florimond, ouais, qui a commencé à wall d'un côté mais qui n'a pas fait de l'autre. Ouais, du coup, on est full open et on a les scouts du Gurjara là qui sont arrivés, qui vont pouvoir faire du vilain. Voilà, il va perdre au moins un péon alors. Ah, il se fait bien bugger le petit péon. En plus, Florimond qui a pas rentré des péons avant que l'autre arrive dans la range pour essayer de le sauver, ou au moins de mettre des dégâts. Il y a beaucoup beaucoup de lanciers en défense, hein. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas fini le wall. Et du coup, les scouts de Florimond qui sont aux champignons, dans la forêt. C'est Leur plus dommage grand parce rêve, qu'il y a quand c'était... même des dégâts. Hein. Il y a des dégâts à faire. Ah bah Bon, clairement. Yumino a fait pareil. Il a bien placé ses piquets. Ouais, Un par peu contre, moins fan sur le bois. il aurait peut-être dû en ramener au moins un du côté de l'or pour protéger les mecs qui wall. Parce que là, il aurait avancé un peu plus Yumino, il pouvait refaire du dégât. Par contre, Yumino, dommage pour son wall. Il a wall une forêt. Et il a enfermé son péon dedans. Ah oui, ouf, Ah voilà. le wall est vraiment Dedans. pas bon côté Yumino. Il y a des choses à revoir à ce niveau. Alors, et on prend un petit lancier, on va faire du dégât sur les baies. En plus, il y avait un Ah péon qui était low life. ouais, c'est ça, c'est dommage. En plus, parce qu'il perd tout, ça en prend la salle. Dommage. Dommage, ouais. Dommage, et tant mieux pour Yumino, du coup, malgré le petit misplay là d'envoyer un péon low life sur les baies. C'est le stress de la première game. Je sais pas si c'est le stress ou les joueurs en général pendant les BO5 et ils ont eu le temps de sortir un peu du CF, ça arrive souvent un peu tard. Donc ils sont plus toujours sur Edge of au moment du match. Donc ça peut aussi jouer en plus du stress. Et t'as Florimond, t'as son idle TC en train d'exploser. Bah Florimond qui nous fait une snake ou une Florimond pour le coup. Oh non, il va Et on prendre va re-rentrer. Ouais. Petit péon là qu'on laisse sans défense pour aller wall alors qu'on sait qu'il y a des scouts qui sont vivants et qui traînent dans les parages. Donc quand on a 36 lanciers, on en envoie un. Défendre le péon qui construit. Ce qui est con, c'est qu'il aurait pu wall avec son marché, et du coup, c'était. Bah, son wall aurait été fini. Ouais. Hein.
Ok, du coup on a cliqué château pour Florimond. En même temps, on a fait très très peu d'unités militaires. Et on est déjà à 18 minutes passées. Donc il était temps, j'ai envie de dire. Par contre, on part cavalerie à l'âge des châteaux. Va être compliqué hein, face au Gurlara s'il tarde pas à cliquer. Gurlara qui aura des meilleurs chameaux. Ah, voilà, cliquer, il y a quoi, 1 minute de différence? C'est compliqué de faire du dégât en 1 minute. Du dégât significatif pour que la transi cave soit pertinente. Et en plus, il va perdre encore, il va s'empaler encore. Il perd à nouveau ses scouts. Ouais, gros investissement qui a pas été très rentable là. Côté Yumino, on a beaucoup plus trouvé de dégâts. Attention juste à pas avoir la tête sous l'eau en voyant que l'adversaire passe avant. Ça devrait aller. Il est où d'ailleurs le fire de Yumino? Ah, il arrive sur la pêche. Une pêche qui est toujours totalement sans défense. Qui est plus au petit, qui est loin même d'être au petit. Ouais. Là, ça serait le moment de rajouter un dog, justement. Le rudement qui décide de faire un TC. Alors que Yumino peut toujours retourner dans son écho, donc on pourrait prendre du bad timing. Surtout qu'il y a plus un, donc on pourrait pas engager avec les péons. Mais La faut game est pas taper le pourvue. port. Ouais, c'est un peu dommage ça. Surtout qu'on prend déjà la pêche, donc ça sert à rien de trop focus le bâtiment. Et Tio qui nous dit la game est pour Yumino a priori. Ouais, là ça semble plutôt bien parti pour lui. Pour l'instant, tout n'est pas joué, mais c'est plutôt bien parti, effectivement. Horriblement qui part 3 écuries. 2 TC. Avec combien de fermes? Faudrait qu'il nous explique comment il arrive à produire. Même pas de 14 fermes vu qu'il vient de perdre sa pêche, donc il y a toujours les bateaux de pêche qui sont considérés dedans, mais bah il pêche plus quoi. Là on arrive chez l'adversaire, mais c'est full wall, parce que quand quelqu'un passe château avant soi, la première priorité, c'est de terminer de ce wall, et ça a été fait. Bon Ah, réflexe côté mais... Yumino. Ouais. Et regarde Lumino, il a fait... Ah c'est dommage d'avoir sorti Shiramsha en premier. Ça, c'est un misplay, hein. On aurait pu, ça, sur un engagement un peu plus litigieux sur le walling, là, ça aurait pu être dramatique derrière. La Shriyansha, c'est bien pour aller sous le TC, pour prendre du péon. Mais il faut avoir le dessus. C'est ça. Voilà, du coup, on commence à le prendre, ce city. Florimond qui a que les up féo, Yumino qui a déjà le deuxième up de def sur la cave. C'est très très bien d'avoir prioritisé la def. Rien à redire. Ah, même les apéco, hein. Minou, il en a quand même pas mal. Ouais, il a tout de suite fait celui du bois en arrivant au château. C'est bien aussi, bon réflexe. Par contre, il y en a un qui spamme plus que l'autre. Et c'est pas celui qui a fait le plus d'up. Peut-être pour ça qu'il a pas fait ses ups d'ailleurs. Pour essayer de dominer en masse en ouvrant trois écuries. Par contre, faut vraiment pas s'endormir sur les fermes. Il en a combien en tout? 17, il a toujours pas refait de dock. Ouais, de toute façon, il continue de se faire prendre la pêche. Il n'y a plus de port. Port. Par contre, deuxième TC pour Yumino. Il va commencer à s'envoler niveau péon. Ouais, monastère des deux côtés. Après, il Et quand produit que même, sur un TC. en vrai, on est bien revenu en Popeco pour l'instant côté Florimond. Même s'il faut considérer deux bateaux de pêche qui travaillent depuis tout à l'heure, donc 40 à 49. Et malgré ça, son efficience de travail, là, malgré deux bateaux de pêche qui foutent plus rien, voire trois tout à l'heure, depuis un moment. Son efficience, elle reste supérieure à Yumino. Donc Yumino, attention à l'écho, là. Il y a des camps de bûcherons à refaire. Pas parce qu'on en a refait un propre d'un côté qu'il faut pas refaire sur la droite. Il a fait son monastère forward.
Bah, il a raison. Il a raison. Il sait qu'en défense, ça va être moine, donc il faut pouvoir convertir. Là, il faudrait qu'il commence à faire les ups sur son armée. Ouais. Ah bah voilà. Ah, il fait l'attaque. Aïe, aïe, aïe. Bon, en même temps, chameau contre chameau, est-ce qu'il vaut mieux pas faire l'attaque? Ou contre chameau Gourjas. Quoi qu'il arrive, il Bah. aura plus d'attaques que lui. Oui, mais de toute façon, il est parti chameau contre chameau. Donc, quel est le meilleur call? Peut-être que c'est effectivement de privilégier l'attaque, comme dans KTS contre KTS. Deux monastères. Oui. J'aurais préféré un Oh, atelier de siège là pour ouvrir vite la porte en palissade. Pour faire des crêpes sur les moines écurie. adverses. Les écuries des deux côtés produisent très peu. Ouais, et puis j'aimerais bien qu'on essaye d'aller chercher la relique du milieu là pour prendre un peu d'or gratos. Surtout quand on est derrière en écho pour Ils Florimond. ont peur du moine. Ils évitent le milieu depuis le début. Qu'est-ce qu'on fait? On fait dévotion, expiation, brouette incroyable. Les deux joueurs qui vont avoir brouette dans 1 minute d'écart. Est-ce qu'on fait toujours des péons des deux côtés? Côté Florimond, oui. Côté Yumino aussi. Va se faire Sandra. sniper les moines sans réagir. Et on n'aura pas pris de conversion pour l'instant. Commence à avoir un peu de ferme des deux côtés. Là, ça commence à être des échos un peu propres. Par contre, on a de l'armée, on n'en fait pas grand-chose. Apparemment, pourri. Ah non. J'ai cru qu'il allait chercher les reliques. Ah si, il a l'air d'aller chercher la relique. Est-ce qu'il veut convertir le moine? En vrai, move de génie s'il fait ça, mais ça n'a pas l'air de marcher parce que là, il convertit effectivement des moines, mais il peut pas prendre celui du middle. Dommage. Elle va pas Oh, le réussir à gros en convertir un. engagement. Ah si. Gros engagement à l'avantage de Florimond. Ah là là, Pourtant, il ils ont lui manque tous des souffert. ups. Hein. Ouais. Ah, il avait plus de masse, les moines qui soignaient. Un château, il peut coûter cher là. Ouais, le château sans défense, il va faire mal avec la porte ouverte. Là, on prend très très cher à droite à gauche. Oh, il va perdre un. Oh non. Oh, Florimond Au qui a perdu milieu, son... Ouais, j'ai vu. Aïe, il va perdre son aïe. moine. Ah, par contre, là, Florimond, sur les moines, il a pris le dessus, hein, clairement. Ouais, il a pris un Yumino, bel engagement. Yumino qui du coup est il s'est fait recroquevillé. tout convertir. Les moines qui sont pas été convertis, ils ont tous été tués. Ah, Yumino, il va arrêter de jouer moine parce qu'il n'arrivera pas à suivre. Ouais, c'était un bel engagement. Par contre, là, les deux joueurs qui ont décidé de ne plus faire de péons. Parce que du coup, tous les deux réunis, ils dépassent 100. Travail d'équipe. Et ça, c'est beau. Bon, C'est ce qu'on bah. veut voir. Ah, Florimond. Il devrait convertir les écuries. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il a l'up qu'il faut pour ça? C'est pas dit, je l'ai pas vu passer. Pas vu passer non plus. Ah, par contre, les fermes. Pas fan de la pose des fermes à Yumino. Ouais, il les pose trop loin, hein, encore une fois. Sur la droite, là, il a un toc de pose de ferme. Compliqué. Trois TC pour ce Florimond. Bon, au moins, quand il pensera à faire des péons, il fera sur plusieurs TC.
Et on part light cave, ce qui peut être pas mal pour raider un peu l'écho, mais il y a pas mal de chameaux. Donc c'est surtout pour prendre des moines, mais il y a plus de moines en face. J'aurais préféré une Surtout tranche du qu'il a... piqué. bah, il peut les convertir, les moines. Mais bon, il prend quand même pas mal, hein, avec ses moines. Ouais, il y a une très très bonne micro là. Ça gère Contre bien. toute l'armée. Mais tu vois, plutôt que de dépenser vraiment beaucoup de bouffe dans de la light cave, fais des piquets, fais une transi piquée. Ta transi Ça. piquée, enfin, ou alors archer, éventuellement archer, ouais, ça peut le faire, hein, c'est bien archer. Ça va contrer Par contre, pour les l'écho lanceurs de là, CD. Yubino, il est... il est pas au top. Alors moi, ça vient d'accélérer d'un coup. Ah non. Et le G qui Oh, bah colle. GG. Ouais. Ah bah Joe s'est trompé. Donc on est sur un BO5. Et c'est Florimond qui remporte la première, mais c'était pas ce à quoi on pouvait s'attendre, mais il aurait été plus agressif comme à son habitude. Hein. Il a tendance à être beaucoup sur l'armée, à faire moins d'écho. On le voit là, il a de la res une re des ressources récoltées en dessous de son adversaire. Ce Il qui est manque d'up. habituel. Ouais, manque d'up, manque de prod de péon aussi. Il Ah, je l'ai a pas longtemps été en vu. dessous. Je comprends mieux pourquoi il a perdu ses fights chameau. Florimond, il a fait ligne de sang et puis. Ouais, ligne de sang, effectivement. Comme t'as dit, je comprends mieux, j'ai regardé instantanément ligne de sang. Ah oui, là, Là, c'est un plus les gros moines. oubli. Ouais. Avec les moines qui étaient derrière, qui ont quand même bien carry. Mais ligne de sang, c'est ultra important à l'âge des châteaux. Le bonus de Gurjara, il suffit pas si t'as pas ligne de sang. En plus, face à un adversaire qui produisait sur trois bâtiments quand Yumino était que sur un pendant longtemps. Plus les moines, comme tu disais. Du moment où il a perdu ses moines, il a perdu la fight, quoi. C'était compliqué pour revenir. Et là, il a plus d'or. Oui, bah il gênait pas trop tôt en fait. Là, pour le coup, c'est clairement rentré dans son écho. Il a eu un dos de castle. Il a perdu plusieurs fois des grosses masses. C'était le moment de dire GG, on va aller voir vite fait les APM. Donc on est sur quelque chose d'à peu près équivalent. Forcément, il y en a un peu moins chez Yumino, mais il a plus pris la sauce, donc c'est plus difficile de développer ses APM dans ces conditions. De regarder les techs. Ouais, Yubino, il a pensé à faire élevage, mais pas ligne de sang. Dommage ça, on n'a pas besoin d'élevage tant qu'on n'est pas à l'agression et qu'on n'a pas besoin de galoper partout. L'élevage, c'est vraiment une tech qui vient tard à l'âge des châteaux comparé à tout ce qu'il y a à faire avant. D'ailleurs, la preuve que c'est pas si important que ça, c'est important, attention. Par rapport aux autres, c'est pas si important que ça. Et la preuve, c'est que dans Capture Edge, c'est pas une tech qui a été prioritisée en termes d'affichage. Un peu comme la tech de l'or. Elle est bien, il faut la faire à certains moments. Mais c'est clairement pas une priorité par rapport au reste. Là qu'on voit que ceux qui ont fait Capture Edge, ils savent quand même de quoi ils parlent. Après, niveau APM, c'était plutôt équilibré. Ouais. Il y a un monde où si la game avait été plus équilibrée sur l'agression. Ils auraient eu exactement autant d'APM. Les drafts, les drafts, les drafts que j'ai notés. On a eu quoi? On a eu Gurjara. On a eu Malien. La deuxième game n'est toujours pas lancée. Connaissant Floribro, il est en train de débriefer. Voilà, il n'est pas dans le lobby non plus. Sais que j'avais pas fait gaffe, mais Yumino avait beaucoup investi sur l'eau au final. Bah, il l'a fait tardivement, mais il a bien compensé quand il a vu que l'adversaire ne jouait pas du tout l'eau, qu'il avait juste des bateaux de pêche. C'était le moment ou jamais d'investir de son côté aussi. Yo, Skull, comment tu vas? Je vais peut-être remettre l'affichage des drafts, vu que les joueurs ne sont pas très réactif pour relancer. Hop.
Alors, du coup, ça va être quoi comme map? Ça sera soit Frozen River, soit Shadow Ring. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer sur l'une et l'autre? Sarrasin, j'aurais tendance à la... Vu qu'il n'y a pas de si... de grosse Sea Fire en face, on pourrait la jouer sur Frozen River. Japonais, ouais, japonais, ça peut être bien. Ton camp de Sur bûcheron, là, il Frozen te coûte pas trop River. cher. Ouais, peut-être japonais pour Yomino, si jamais il joue Frozen River tout de suite. Et côté Florimond, bah, certainement un italien ou un berbère, j'aurais tendance à jouer le berbère. Pareil, moi je verrais bien Hindoustanis Berber, tu vois. Ah, c'est vrai qu'on voit souvent un Doustani, c'est une bonne cive château quand même. Bah pour agresser, c'est plutôt pas mal Hindoustanis, surtout que t'as pas mal de bouffe sur Frozen River. Ouais, c'est un bon call. Je vais quand même rester sur le japonais histoire d'avoir un call différent. Mais c'est. Il y a de la logique derrière ce que tu dis. Bah écoute, ça va Pas aussi ce énormément, call. mais les japonais, je garderai plus sur Shaolin. Japonais sur Shadow Ring, oui, ça peut s'entendre, effectivement. Ce serait même peut-être un meilleur call. Après, il n'y a pas de Sive ultra méta pour Frozen River là, dans les deux drafts, hormis Berber. Doit être plutôt A-tier, je pense, dans le haut du A-tier. En même temps, on avait dit Mongol aussi qui était pas mal, c'était pas un mauvais call que tu avais dit tout à l'heure pour cette map-là. Connaissant Florimond, ouais, il est capable de mettre son TC sur le bois et prendre la chasse. J'espère qu'il fera pas ça. S'il fait ça, j'espère qu'il gagnera pas. Eh ben, il serait capable de le faire et de gagner, mais oui. Ah, c'est un joueur hors méta, hein. Il est capable de tout, Oui, mais en surtout du fait, pire. là, t'as joué la méta et joué anti-méta et joué hors méta, mais des trucs qui sont pas censés gagner à niveau vraiment égal. C'est pas jouer anti-méta. Anti-méta, c'est faire des trucs qui cassent la méta. Mais qui te permettent de gagner face à la méta, à niveau égal. Genre, jouer Berber et faire un ville rush sur cette map-là, c'est jouer anti-méta et c'est viable. Oh, je sais pas si c'est faire un si c'est faire ça. Ah bah c'est un exemple. Après, jouer Berber et jouer méta dessus, ça se fait aussi. T'as quand même des fire qui vont plus vite. T'as pas mal d'allers-retours à faire en termes de déplacement, ne serait-ce que quand tu déplaces ton bois ou tes péons qui pêchent au niveau du TC, bah, il y a quand même pas mal de spots où il y a de quoi marcher. Donc Berber, c'est ultra bien dessus. On est où au niveau du salon? Ils sont tous les deux dessus, ça y est. Est-ce qu'ils vont lancer? Ça n'a pas l'air parti pour. Et du coup, s'ils vont sur Shadow Ring, donc toi tu nous disais japonais sur Shadow Ring. Japonais, j'aime bien. Allez, moi je vais dire du coup l'inverse, je vais dire Hindoustani, parce que c'est quand même une map où on voit souvent des play châteaux. Après, moi, je prendrais Place de Florimond, je prendrais italien, c'est plutôt pas mal dessus. Ouais, Pas italien, trop j'allais dire loin. pareil. Je pense que je resterai aussi sur italien. Connaissant Florimond, il est capable de prendre Birman quand même. Bah, en vrai, Birman, pour un petit rush féo, là, peut être Ouais, bah c'est intéressant. ça, tu vois, je me dis pourquoi pas. Moi, j'aurais pris Birman là-dessus. Tous les jours. Ah, Sarrasin, ça peut être pas mal aussi. Ouais, mais Sarrasin, j'aurais plus tendance à garder pour Pitland. Au niveau de la micro des galères, ce serait quand même beaucoup plus intéressant de les garder là-bas. Même pour Abuse Market, attaquer assez fort, assez vite. Ouais, effectivement. Peut être pas mal aussi pour ça. Ah, peut-être qu'il va jouer Khmer sur Frozen River. C'est vrai qu'il y a pas mal de péons qui sont sans défense souvent. Ah, je vais changer mon code, je vais dire Khmer. Khmer Berber. Les connaissants pour agresser, enfin, les deux ils ont l'air d'être. Ils sont aussi offensifs l'un que l'autre.
qu'ils ont lancé? Est-ce qu'ils ont lancé? Ils ont lancé. Ok. Paf, on va aller voir ça. Alors, donc il y a le délai spectateur, c'est pour ça que je laisse la page web. Et sinon, on aura japonais contre mongol. Ah, du coup, le premier col japonais était pas mauvais. Ton col mongol était très bon. Et il nous reste 2 petites minutes de délai spectateur. On va pouvoir regarder la partie. Bah, Yumino risque de prendre. Il jouait pas mal l'eau. Orimon, il risque de complètement la délaisser, le connaissant. Ouais. Enfin, vu la cive qu'il a, il va jouer la chasse. En même temps, ça peut lui permettre d'agresser très tôt et très fort ou de compenser un petit retard sur un BO moins précis. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant qu'il prend la pêche au milieu, au début avec un TC, pourquoi pas? Ouais. Et ça va finir au château encore une fois. Je suis prêt à mettre une pièce qu'ils n'iront pas à l'imp. Si Florimon met son TC dans le bois, on fera une prédit. Florimon mérite-t-il de perdre? Une prédit ou un pôle? Un pôle plutôt. Allez, ça va commencer. Ah, mais là, dans je suis 50 prêt à secondes. Parier, tu vas voir. Il va mettre un moulin au milieu. Ah, oh, c'est dégueulasse, un moulin au milieu. Allez, moi je te fais le call, moulin au milieu face castle. Non mais c'est sûr qu'il va faire ça. Ça... Yumino par contre, je vois bien partir archer. Archer piqué. Je suis vraiment pas fan de l'ouverture archer. Par contre japonais, tu vois, japonais sur 4 lacs, ça se joue comment? Ça se joue BO hybride, ouverture scout, passage château, transi archer. Après c'est vrai qu'ils ont des bons CA. Hein. Aussi, c'est vrai. Est-ce qu'un fast castle CA, c'est pas déconnant? C'est quand même un peu dangereux le FC là-dessus. C'est une map très ouverte, ton bois il est loin, ton TC il va pas protéger grand chose une fois que t'auras tout pêché. Et s'il est dans le bois, il protégera rien du tout parce qu'il n'aura pas la place de poser quoi que ce soit. Ah, du coup, c'est Shallow Ring. Ouais, c'est Shallow Ring. On n'en avait pas l'information, donc du coup, Shallow Ring, ok, tac. On a japonais mongol sur Shallow Ring. Attends, ça, il faut que je refasse le backup là dans ma tête. Pas fan du. Enfin, il y a beaucoup de chasse. Ok. C'est pas un mauvais call. Des deux côtés, c'est un plutôt bon call. Même si japonais, bon, on l'aurait préféré sur une map où il y a plus de pêche. Que juste quelques côtiers. Bah là, tu peux pas. Ouais, tu poses un port pour prendre les fiches, mais c'est tout, quoi. Bah, tu fais un port et tu fais juste un, deux bateaux de pêche éventuellement. Et ensuite, tu fais du démo. On va le te dé. Bon, du coup, il nous fera pas la dinguerie Frozen River de jouer Mongol, de faire son TC bois et de prendre juste les serres. Nous sommes sauvés pour l'instant. D'ailleurs, est-ce qu'il nous ferait pas plutôt juste un moulin près des poissons, un moulin sur les serres, le japonais? Ce qui lui ferait le prix d'un seul moulin. On part sur quoi là? On a 3 au bois, ok. Pour l'instant, des BO similaires. Un petit peu plus tardif côté Yumino pour abattre le sanglier. On fait beaucoup d'aller-retour dans le vide. Florimon, la chasse pas top. Ouais, un peu trop loin là. Dommage. Oh, j'ai eu peur du moulin de Yumino. Ça aurait été vraiment dégueulasse. Ouais. Ah non. Ah non,
Oh non. Moi, ça me va le moulin. Oh Parce non. que là, du coup, il peut prendre les poissons et refaire un moulin sur les serres en plein milieu des serres. Alors qu'un moulin entre les deux, ça aurait été vraiment horrible. Oh, moi j'aurais mis un port, tu vois. Bah, le souci, c'est que tu profites pas de ton bonus japonais. C'est-à-dire que le porc, il va te coûter quand même le 150, tu vois. Alors que deux moulins, ça te coûte 100. Ouais, mais là, le temps qu'ils vont perdre à faire des allers-retours. Franchement, je pense que c'est worse quand même. Ça, c'est ok. Parce que là, ce Surtout qu'il gagne que. en bois, c'est intéressant. Surtout, tu mets. Enfin, moi, genre, après, ça te permet de faire deux fiches. Ça, tu prends deux fiches. Et derrière, Ouais, tu prends mais les desserts. en fait, ça te fait un BE tardif. Là, il a pas l'air de vouloir partir sur un BE early, donc oui, ça aurait été mieux un doc. Mais là, en faisant cette stratégie-là, il pouvait faire un BE de péon au bois, et quand même prendre les serres, prendre des poissons, et être vraiment très bien en écho. Mais là, du coup, vu qu'il en a mis 3 au bois, effectivement, il va mieux faire un doc. Les deux qui auront fait le Pareil, moulin les fish. Florimonts, ils rabattent la chasse. Bah, c'est vrai que lui, il n'a pas le choix pour le coup. Parce que son deuxième moulin lui coûterait 100 de bois. Il va y avoir un carnage sur les cochons là s'il les répartit pas le bon floriment. Bientôt pouvoir cliquer. Ouais, il peut cliquer, ça y est. Et on a cliqué. En premier, 20 pop. 20 de pop équivalent 21 de pop, hein, vu qu'on a 16 secondes d'idle TC. Et côté Yumino, on va aussi cliquer. 20 de pop aussi, mais quasi équivalent 22. De avec Loom ou 22 sans Loom? Avec Loom. Ah, il part Manhattan. Le japonais. Pas Manhattan. Pourquoi pas, rien que même de 2 miliciens japonais, ça fait déjà tellement le café. Ah bah c'est surtout sur la chasse. Et il y a le scout. Waouh, il prend la chasse. Ah Effectivement. non. C'est arrêté juste. Ouais. Ah oui, dommage, dommage, dommage. Qu'est-ce qu'il a comme info, le bon Florimond, il a vu la maison. J'ai même pas vu si Florimond avait fait l'eau. Il a fait loup. Juste avant de cliquer, il l'a fait. Il l'avait mis en file de prod avant de cliquer le changement d'âge. Ouais, Yumino qui cherche où est la chasse. En vrai, les miliciens, je les préfère tellement sur une woodlane. Trois manatarmes japonais, là, quitte à cliquer manatarmes, il faut pas tuer des serins. Pas idle le bois. Ok, l'adversaire est passé. Ce serait peut-être bien de rajouter un lancier. Sur De cette faire son map-là, archerie. ouais, tu vois, le nord est quand même assez chiant. C'est quoi tout ce poids qu'il a, Yumino? Ah, remarque, oui, il a pas eu besoin de faire de ferme. On délaye bien l'écurie là. Enfin, on aura essayé. Mais Ouais, mais Florimond qui aura spam click. non, ça rentre dans le bois. Oh là là, Florian. C'est des japonais, hein. Ouais, ça tombe très très vite. Mais on les aura enfermés. Aïe aïe, il dépense beaucoup de poids là pour pas grand chose le bon Florimond. Il aurait mieux fait de se faire une tour, surtout qu'on sait qu'il va y avoir des archers ou des tirailleurs qui vont arriver derrière. Mais la tarme ça vient jamais seul.
pas vu. Hein. En fait, Florimond, il a rien vu. Il a oublié un péon dans le Oui. TC. Ouais. On se met bien là côté Yumino, surtout que Florimond, lui, il avait pas beaucoup de banque de bois, donc devoir réparer un camp de bûcherons en continu. Idle, un mec qui était au bois en continu, voire deux, pour réparer assez vite. Ouais, deux. Ah, par contre, les scouts. Ouais, mais pour l'instant, J'en ai c'est vu des. un qui était en Ah farfade. si, c'est des scouts plus un, donc ça c'est bien. C'est très très bien. T'as un scout qui est en surface, le scout de départ. Et le premier à faire une up, c'est Florimond, l'up du bois qui passe. Vu qu'on est focus sur son sur son camp de bûcheron, on y a pensé. Attention aux scouts qui font plus grand chose. Il faudrait essayer de tourner dans l'écho, prendre de l'info. Là, t'as Yumino, il fait une grosse transition sur les fermes. Ouais, c'est propre côté Yumino. Bon, par contre, on aura fait la forge beaucoup trop tôt pour Yumino. Là, en plus, il donne l'information des archers qui arrivent. Ouais, et Florimond qui réagit pas. Il a quand même une archerie, mais une archerie avec un archer, bon. Ouais, il a C'est fait une bien, hein, mais archerie c'est. pour prendre la Ouais, tourne. c'est bien, mais le souci, c'est que en fait, l'archerie, elle doit venir pour la transi archer du joueur en attarde. Donc, un seul archer, ça suffit pas. Heureusement qu'il lui reste ses scouts, full life, qui vont pouvoir faire du vilain. A pas de bois du coup pour réparer. Aïe, Non. aïe, aïe. Bon. Si, si, il pouvait réparer. Le souci, c'est qu'en fait, il a fait un clic droit avec ses péons qui portaient du bois. Donc, ils ont drop, et ils ont attendu devant comme des débiles. Bon, après l'archer devrait faire le taf. Alors, petit tips, au cas où, moi je le fais souvent en partie, quand t'as un truc à réparer avec des péons qui ont des ressources, ou que t'as un doute qu'ils aient des ressources dans les mains, tu les prends, tu fais un clic droit, et ensuite tu kiffes te clic droit à l'infini. Comme ça, ils réparent, et même s'ils terminent de réparer, ils recommencent si ça continue de se faire taper et que ça redescend de nouveau. Ça sauve des TC, ce tips. De l'up du bois. C'est un peu late, mais au moins on a une belle écho qui est bien posée. Après, on a récolté autant des deux côtés à peu près. Florimond, il a énormément de pions en bois. Ouais, va. C'est-à-dire, il va falloir se réveiller, mais en même temps, il a dépensé beaucoup de bois à réparer son camp de bûcheron. Il a idle quelques péons du bois pendant un moment, donc il n'avait pas grand-chose. D'ailleurs, pour ça Là, on que fait des l'archerie vient tard, pions. je pense. Oh, il est sur le Là, il bois fait des pions. d'ailleurs. Ouais, mais il y a des piquets, hein. Des piquets japonais. Ouais, mais il n'y en a qu'un, et quand c'est le micro. Voilà. Il... C'est dommage d'empaler ses scouts uniquement pour tomber un ou deux péons. On aurait préféré idle les péons du bois, partir, idle les péons d'or, rebouger pour idle les péons qui construisent. Pas loin du TC, t'en avais un qui était low life, enfin Ouais. mid life. La transi ferme qui se fait. Les deux joueurs ont une belle écho de ferme du coup maintenant, mais il n'y en a aucun qui a l'up des fermes. Aucun, aucun, aucun. Pour Florimond, c'est moins grave, vu que sa transi est toute récente, donc il a le temps avant qu'elle se renouvelle. Pour Yomino, ça risque de faire mal quand ça va arriver. Ah bah tiens, il est en train de tomber. Il a offert le péon qui était mid life. C'est beau. Par contre, il perd un scout sur un lancier sur la droite pour ce move. Ah, la tour qui protège son bois, ça c'est pas mal. C'est qui a fait une tour, j'ai pas vu. Florimond, il est en train de faire la tour au niveau bah, là où les archers vont arriver. Ok, je l'aurais préféré plus proche du camp de bûcheron pour le coup. Ouais, Là, moi c'est un aussi, peu parce que loin. là, les archers derrière. Il bloque le bois. Ouais. Aïe, 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 il a pas vu. Là, il faut rentrer dans la tour. Mais non, Florimond, il faut pas engager les archers tant qu'on n'est pas dans la tour. Surtout que là, il a l'attaque, hein. Du coup, ça tombe vite, hein.
C'est compliqué encore une fois pour le bon Florimond. Yumino qui se met bien pour l'instant. Ouais, mais Florimond va cliquer. Bah tiens. Ouais, mais tu vois, Yumino, il fait brouette. Dans une minute, il clique. Il y aura une minute de retard. S'il fait... Ah, il a fait une maison, dommage. On aurait peut-être préféré le marché. Maison Ah, il archerie. fait deuxième archerie. La Ah, j'aurais maison, préféré... il Là, ça aurait été mieux le marché. Hein. Il aurait pu abuse market, rééquilibrer un peu, être vraiment sûr de pouvoir cliquer dès qu'il a brouette. Pas perdre un instant. Là, les tirailleurs qui repoussent les archers au niveau de la tour, c'est bien. Elle sert à rien, la tour, oui, elle sert à rien parce qu'elle est mal posée. On rappelle, une tour, elle doit protéger les récolteurs. Et pour éviter que Ouais, l'adversaire bah... puisse se poser en dessous, il faut être wall ressource. Sinon, on prend des risques inutiles. qui pose le marché. Ah, c'est bien, mais tu vois, le souci, c'est que, bah, ouais, il a brouette. Il est obligé de refaire des péons. Il aurait eu le marché à la place de la deuxième archerie, il avait cliqué. Rimon qui part en attaque avec l'extérieur. Et là, du coup, cette fois-ci, Florimond, tout à l'heure, il n'avait pas un gros uptime pour prendre l'avantage. Là, il a un gros uptime pour prendre l'avantage. Ce qu'il arrive, Après, Yumino n'a pas cliqué. le gros problème, c'est son écho. Il est beaucoup d'idle, du coup, très peu de péons. Pas d'up écho. Ouais, mais en 2 minutes, il peut en faire des choses malgré tout. C'est vrai qu'il n'a pas d'écho. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'un TC revenir en pop écho, ça pourrait faire la diff. Sachant qu'il a des tirailleurs. Le plan de sphère, c'est pas déconnant. Ouh là là, le clic droit là, qui n'est pas en patrouille. On prend des dégâts gratos sur les tirailleurs, c'est dommage. On avait la masse pour contrer si on tapait tout de suite et. Surtout que Yumino, ouais, vu la masse qu'il a. Ouais, lancer des steps, ça va pas lui faire peur. Ça, et tirailleur sans up, c'est pas peur non plus. Hein. Bah, ils auraient fait peur s'ils étaient arrivés avec les deux premiers lancers des steps en fait, et Oui. pas solo. Qu'est-ce qu'il fait Florimond? Pourquoi il part aux fraises avec ses lanciers des steps? Il a un timing pour renverser la vapeur et il en fout rien. J'ai l'impression qu'il veut gérer les archers avec ses tirailleurs, parce qu'il en sort quand même pas mal que 4. Il veut Mino qui fait ses up sur l'infanterie. Hein. protéger son atelier de siège certainement. Aïe aïe, là on passe sous TC donc on prend assez cher sur un des lanciers. Surtout qu'il n'y a pas d'up dessus, à part l'attaque. On aura quand même un petit peu idle l'écho de l'adversaire, ça lui fait toujours un peu mal. Oula, encore une fois, Florimond qui fait des clics droits et qui prend très très cher à cause de ça. Il sort des scorpions. Why not, hein, il n'y a pas encore beaucoup d'archers, donc même archer avec up, tant qu'il n'y en a pas beaucoup, on prend les archers avec les scorpions et ensuite on déroule dans l'écho. Ah, tu gères tout, tu gères les archers et les piquets. Là, il va falloir être malin pour Yumino, faut pas avancer avec ses archers. En plus, là, maintenant, on a vu les scorpions. Bon, tu Yumino qui a fait l'up de défense, code de maille, mais qui a aucune infanterie. C'est dommage, ça aussi. Par contre, tu vois, j'aime bien la décision de Florimond. C'est un truc que trop peu de joueurs font. Tu es derrière, tu sais que tu es derrière en écho. Bah, tu bastonnes sur l'armée. Hein. C'est le moment ou jamais d'avoir une chance de revenir. Surtout là, avec ce qu'il a derrière, il fait l'aide de défense et il prend tous les archers hein, et ses Ouais. unités. Totalement. Faut juste réussir à cliquer des ups, sachant qu'il fait de l'armée en continu, et ça c'est compliqué. En même temps, on commence à avoir une bande Problème. d'or. Comme il n'a pas d'up, bah, elle est ferme.
commence à lui coûter cher en bois. Ah, il a perdu toute. Et Yumino qui sort des KTS. Il n'ose pas assez attaquer là, il a vu où étaient les archers, il faut tout de suite prendre des palissades dans, dans la base de Yumino. Encore une game pour Yumino, bah Dio il a pas gagné tout à l'heure Yumino. Tu veux dire encore un throw du coup? Parce que oui, il devait la gagner là et ça semble partir sur un. Quoi qu'il fait du KTS, donc il pourrait réussir à contrer les scorpions. Mais face au passing des lanciers des steppes. Ouais, ça fait mal ça. Oh non, tous les archers. Oh mon dieu. Ah, c'est le problème d'avoir envoyé les archers devant alors qu'il avait vu que les lanciers des steppes tapaient des palissades. Tous les archers. Ah, voilà, voilà comment on renverse une game, les enfants. Voilà. Ouais, c'est surtout pour prendre un scorpion. Ouais. Oula, la petite TP des lanciers des steppes, magnifique. Il manque que ce soit corrigé ça. Normalement dans le prochain patch. Et là le problème c'est qu'il les envoie. Il envoie ses KTS un par un. Ouais. Bon, rien n'est fait, hein. Pour l'instant on a juste réussi enfin à rendre les coups et à être un peu mieux parce que du coup on a de l'armée et pas l'adversaire. On a quand même moins d'écho. Donc là c'est le moment ou jamais de pas s'endormir sur l'armée et de revenir en économie tout en faisant chier grâce à son armée. Si on fait pas chier avec son armée, on pourra pas revenir. Le problème c'est qu'il fait pas d'up. Quand il ferait des up d'armée, il pourrait prendre les péons. Des péons sous le TC et tout, mais là, il peut rien faire. Hors position. Ouais. Parce les scorpions ou les lanciers des steppes, quoi. Mais il y en a. Il y a un des groupes qui était pas là, quoi. Là où il devait être. Mais bon, il n'y a plus d'archers. Donc. Ouais. Bon, il en a plus besoin. Enfin, moins besoin. Le problème, c'est qu'il a pas d'or, Yumino. Bah, il y a une petite or sur son TC du bac, là. Ouais, non, mais c'est. Il avait quasiment pas de pion à l'or. Là, c'est bon, il remet. Il y a un atelier de siège, mais l'atelier de siège, il sert à rien, là, dans cette situation-là, mon Yumino. Il y a que des scorpions en face, les KTS, ils contrent déjà les scorpions. Archimonde qui a complètement arrêté de faire des péons. Archimonde? Florimond. Salut, monsieur Porcin. Il est bon, son adversaire, mais Yumi fait pas d'armée. Ouais, bah, il y a des problèmes des deux côtés. On sait que Florimond, il est très très bon sur l'armée. Par contre, il a tendance à ne plus faire de péon et pas faire de péco. Ce qui, du coup, dans une situation où il est bien derrière l'adversaire, fait qu'il a la bonne décision pour revenir, mais c'est une décision qu'il a tendance à faire dans toutes ses games, même quand il est devant. GG. S'il a oh non. Non. Un peu tôt, là, le GG, mon bon Yumino. Si jamais tu regardes la rediff. 50 péons, plus de péco, plus de récolte éco. On arrive quand même encore à tenir au niveau de certains spots. Il a le nombre au niveau armée, mais son armée elle vaut rien. Il n'y a pas d'up. Ouais, ouais, bah là, en fait, l'atelier de siège, il doit jamais venir. Il faut faire un monastère. Il faut entamer une petite transi piquée ou rester KTS pour contrer les lanciers des steppes avec des moines. Et... piquer Jap, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il est Jap, effectivement. La petite transi piquée, elle était tellement insane à trouver. C'est surtout les trois écuries. Et envoyer ton armée un par un. Ouais. Ouais, le un par un, ça lui a coûté cher. Le fait d'envoyer ses archers contrer des scorpions alors qu'il n'y a pas les step lancers. Du coup, il aurait pu envoyer ses KTS aussi. Ça a été vraiment le drame de ses décisions dans la game. Et même, tu vois, sur le lore qu'il a au niveau de sa porte, j'ai l'impression qu'il y a un trou. C'est possible, ouais, que maintenant il y a un trou. Il n'y en avait pas au début. Ah, attends, il y a un petit carré qu'on voit pas. Il y a quelque chose, il y a une palissade. Ah oui, ouais, là, derrière. Et du coup, Dio qui disait les KTS contre les Step Lancers. Alors, oui et non. Les KTS en 1 contre 1, ils contrent les Step Lancers, mais les Step Lancers, ils galèrent pas avec le Pathfinding. Donc, du coup, ils peuvent taper beaucoup plus facilement et ça les rend, vu que le Pathfinding est complètement cassé, beaucoup plus fort que les KTS. Dans certaines situations. Genre sur des petites passes.
tape plus à plus sur les 1KTF avec la portée. Bah c'est ça, c'est ce qui fait qu'ils vont moins galérer avec le pathfinding, puisqu'ils n'ont pas besoin de galérer à passer pour être en front lane. Donc oui, le KTRS aurait fait le café, mais en fait là il fallait du KTS pour contrer Scorpion et contrer en partie Steplancer, et du Moine, si t'es pas japonais bien sûr, et du Moine pour prendre quelques Steplancers et du coup toi aussi ne pas galérer avec le pathfinding et éviter que l'adversaire ait une trop grosse masse. Mais il fallait temporiser, masser chez soi, ne pas faire statelier de siège. C'est surtout qu'il a multiplié des choses qui lui a pas servi. Ouais. Il a fait le plus un de défense pour l'infanterie, il a arrêté de faire les piquets. Ah, c'est vrai que ça Aller aussi c'était chercher. une décision litigieuse. Chercher les un peu sacrifiés alors que Steplancer c'est quand même sensible aux flèches. Ouais. Bah surtout vraiment il avait un timing pour prendre au moins deux scorpions avant que les Steplancers puissent revenir. Et au lieu de faire ça, il a envoyé les archers. Ah, dommage. Avec Dommage, japonais, il dommage. avait la compo depuis le début, il avait la compo pour le contrer. Hein. C'est Ouais. dommage. Et surtout qu'il était devant. Hein. C'est la deuxième game où il est devant et au final, bah il. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude de prendre des joueurs qui sont vraiment full production d'armée. Mais là, c'est des games où tous les jours il doit gagner. Ah, même là, la partie n'est pas finie. Lorimon, il peut pas venir sous le TC prendre les péons. Ouais, s'il le fait, c'est très compliqué. Il va vite perdre son armée, sauf qu'il n'a pas l'écho d'en refaire. En fait, là, c'est de la lecture de jeu. Il se rend peut-être pas compte qu'il a fait beaucoup de dégâts à son adversaire parce qu'il est passé château avant. Et en fait, il a fait suffisamment de dégâts pour se dire, bon, bah là, s'il perd des Steplancers, je suis bien. Une des indications, c'est de cliquer sur les Steplancers et de se dire, ouais, ok, il n'y a pas d'up. Pourtant, moi, j'ai cliqué des ups de partout. C'est vraiment qu'il est mal, mon adversaire. C'est dommage, Yumin part super bien sur ses games, mais il fait une boulette. Bullet Fatal. tail. Ah, Fatal. fatal, boulette fatale à chaque fois. Ok. J'avais pas eu le Bah, message là, d'après. c'est même pas une boulette, hein, c'est qu'il a surévalué. A Bah, si, surévalué l'engagement. la boulette de l'engagement, quand même, Oui. elle était Oui, mais belle. là, c'est pas mort, hein. C'est vraiment pas Oui. mort. Oui, là, c'est clairement pas Donc là, lui, il encore se mort. voit mort parce qu'il voit pas toute la map comme nous, mais. Tu vois le score, il n'y a pas une si grosse différence. Tu cliques sur les unités, tu vois qu'il a quasiment pas d'up. Ouais. Mais je pense qu'il savait vraiment pas quoi faire contre parce que effectivement il fait l'op piqué mais il fait pas de piqué derrière il fait du KTS ensuite il fait du siège il était perdu il a pas l'habitude de prendre de si grosses agressions je pense qu'il faudrait vraiment regarder ses games mais ça serait intéressant peut-être pour lui du coup si dans le step up dans l'amélioration de jouer contre des joueurs un peu plus agressifs peut-être hors ranked. Parce que sinon, à part ça, c'est propre, c'est solide sur les débuts de game. Mais ça s'endort un peu après. Ouais, parce qu'en plus il a quand même plutôt bien agressé, dommage que bah, Manhattan se soit fait wall. Ouais, mais au final, ça a été rentable. Ça a vraiment défoncé les côtes-bois de Florimond. Ah Florimond oui, il n'arrivait pas à suivre. Son écho elle était catastrophique. Elle n'a pas réussi à rééquilibrer son écho. Même à la fin son écho il est toujours pas rééquilibré. Hein. Bah ouais. Il fait de la cave sans up de ferme. Sans brouette. Enfin, il n'a pas d'up, il n'a pas l'écho pour faire des up, il peut faire que de l'armée. Bah là, pour le coup, il a pas le choix de gérer son armée sans en perdre, hein, parce que sans up et sans écho. Mais du coup, ça me fait un peu penser au gameplay de Hoang. C'est quand même assez sympa à voir. Et de voir ça dans cette tranche d'Elo-là. Je crois que la troisième game est commencée. Ouais, la troisième est commencée. Ils ont pas perdu de temps sur la troisième. Ici c'est ouais, Poison River. Ouais, la deuxième home map de Yumino, sa dernière home map, la première balle de match. Peut-être la dernière. OK. On rattrape le direct du coup. Bon, il était pas loin. Paf, donc on met le deuxième point.
On a les deux joueurs qui font un dock au milieu. Incroyable, Florimond qui n'aura pas détruit la logique de la map. Et c'est très bien. Bravo. Je te félicite, Florimond. Oh, par contre, Yumino, 4 maisons. C'est un peu trop. Parce que là, on va te retarder le dock. C'est dommage. Et Florimond, Florimond qui va perdre un peu. Ah, il y a une belle petite micro là, incroyable! Incroyable, par contre, il va falloir rester retarder. Focus. Ouais. On a bien fait des péons tout de suite hein, pour Yumino, du coup, c'était aussi très, très bien joué. Ah, c'est beau. Bon, là maintenant, par contre, le scout, il faut le laisser en auto-scout parce qu'il va plus servir à grand chose, hormis trouver des choses sur la map. Et là, un coup, il n'y a plus de scout. S'il passe près des péons. En tout cas, c'était très bien joué le move du scout. Là, ça aurait été sur un joueur qui n'est pas ultra énervé sur sa micro. Non seulement ça retardait le TC, mais ça prenait un péon. Et donc, on pose son dock avant Florimond. Ah oui, bah normal, Florimond, il a rajouté deux maisons plutôt que de faire un dock. Bah, je suis pas sûr. Ouais, ça a pas l'air parti pour. Bon, en même temps, il peut faire full piqué, hein. Full piqué tirailleur. Ça, il prend la pêche. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que connaissant le joueur, il est capable de prendre les fiches, délai de son TC, et faire son TC un peu plus loin. Ça serait dramatique. Après, tu peux le délai à l'âge des châteaux, ça, c'est pas un problème. Surtout si t'as perdu l'eau. Okay. On se rabat un sanglier, pourquoi pas, ça se fait à haut niveau aussi. Ouais, mais... En fait, l'intérêt, le gros intérêt de ça, c'est que tu gardes des péons sous le TC beaucoup plus longtemps grâce à ce sanglier. Et du coup, tu manges pas les poissons, donc après, ils seront toujours sur les poissons pendant quelques minutes. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Et pareil. Une question, du coup, c'est birement, ça vaut quoi sur l'eau? Alors, birement, déjà, ça lobe du poids gratos. Donc, ça te permet d'avoir un BO avec un très bon uptime si tu sais en profiter. Mais là, on est sur Frozen River, donc t'as forcément plein de mecs au bois. Donc, c'est pas ouf à ce niveau-là. Même si ça te mettra bien au début du spam. En termes de dock, alors, peut-être garder dinguerie parce que je suis pas très bon sur l'eau. Mais il me semble qu'ils ont sauf une des up primordiales à l'impé. Je sais plus laquelle c'est entre cale sèche et chantier naval. Mais H des châteaux, ils sont full, y a pas de problème. Ils ont des démos, ils ont les navires d'incendie, tout ce qu'il leur faut, quoi. Attends. Je vais juste faire la recherche, du coup. Bah, pas de bonus particulier, encore une fois, ça dépend de la map. Là, on est sur une map où t'as forcément plein de mecs au bois, donc c'est pas ouf. Mais sur une map classique, le fait de pouvoir faire un BO avec deux mecs au bois, un peu plus longtemps, du coup, passer tôt et avoir l'avantage d'uptime sur l'eau, c'est quand même intéressant. Parce que le premier avantage dans le jeu, c'est l'uptime. Donc toutes les cibles qui ont un avantage d'uptime par rapport à un rééquilibrage de BO, ça les met bien. Du coup, tu n'as pas besoin de cliquer l'up du poids non plus, donc ça te fait une économie de bouffe qui te permet de cliquer l'up sur les galères. Je vais vérifier là justement. Tac tac tac. Ah là, il va pas faire Pauline Manatar, non ? Pourquoi pas ? Peut être intéressant. Bah, sur un petit peu anti-méta là.
Alors, du coup, le dock, il manque navire d'incendie rapide, il manque navire de démolition lourd et il manque chantier naval, donc juste des trucs de l'impérial. Ah, tu peux lui priver d'or. Hein. Priver d'or, de bois. On aurait été malin, côté Yumino, on n'aura pas que son bois, par contre, on ne l'aura pas wall. Il part. Ah, dommage. Il fait une écurie. Ouais. On a l'info de l'écurie, donc là, ce qu'il faut faire pour Plorimon, c'est de tout de suite rajouter un lancier dans sa file de prod. C'est ce qu'il a fait. Annulé. Du coup, écurie supprimée, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait une agression comme ça, qu'on a peu de mobilité? Ça veut dire que l'adversaire, il va soit faire son écurie, soit faire une archerie sous TC. Donc le scout, et pas les man-at-armes, le scout, il doit aller prendre l'information. Lui-même, il fait une transi archerie, il se doute de quelque chose, c'est logique. Le problème, c'est que s'il part archer sans or. Non, là, il a pas besoin de partir archer, si tu parles de... Ah, non, Ah, c'est Yumino, Yumino. ok. Ah oui, Yumino, ça va être compliqué. Il a les Florimond, c'est le pions sur tirailleur. l'or, mais il répare. Ah oui. Par contre, tu vois, j'aurais plus vu un pion forward pour mettre l'archerie au plus près. Ça dépend ce que tu veux faire, mais c'est vrai que c'est bien de faire un petit forward, ça fait toujours un peu de beau gameplay. En plus, ça te fait un péon qui peut aller l'aim des ressources que tu viendrais te contester pour éviter que l'adversaire y revienne. Ça te permet de faire une petite tour offensive aussi potentiellement. Parce que là, typiquement, depuis le temps qu'il tape sur l'or, il palissait la maison et le camp de mineurs, il faisait une petite tour, les deux péons ils sont morts. On n'en parle plus, pas besoin de garder les mains à terme là-bas. Il a vu les archers. Ouais, mais il y a un tirailleur qui arrive juste à ce moment-là, il doit être dégoûté. Il est sorti de l'ombre juste au moment où ses archers arrivent. Enfin, Allez, il va là, ça va perdre être les la deux pions qu'il PLS. Hein. avait sur l'or. Par contre, il a beaucoup de banques, il faut la dépenser cette banque, mon pro Yomino là. On veut l'up d'attaque sur les archers. On en a besoin, un besoin absolu, et on a la banque de le faire. Il faut juste une forge, pas une écurie. Parce que là. On fait l'up d'attaque, l'adversaire ne l'a pas, juste avec full archer, on contre tout. Et par écurie quand même. Ouais, mais c'est dommage, c'est ce qui va lui coûter la game. Bah, le truc c'est que c'est qu'il fait, enfin il a que de la bouffe du coup. Du coup c'est pas déconnant. Là Ouais, avec mais les bois, il a là, avec la banque meilleure qu'il agression. avait, il fallait faire forge, up d'attaque sur les archers, mettre plein de mecs à l'or. Surtout qu'on est sarrasin, hein. Après on fait un petit marché à sang de bois, on abuse market comme un cochon, on fait plein d'archers en boucle. Florimond, là, il fait plus rien. Il fait un marché. Bah son écho est dramatique, donc il se dit j'ai pas le choix, il faut que je rééquilibre, il a que de l'or. Là Florimond, s'il tourne bien, il peut aller prendre la tour. Avec ce qu'il a, ouais. Ah non, mais il a back ses tirailleurs. Ah, mais quelle idée. Mais quelle idée, mais quelle idée. En fait, là, il va prendre une tour qu'il ne peut pas prendre parce qu'il n'a plus de tirailleurs. Ah non, il passe juste en dessous, donc il meurt en dessous, d'accord. Les pions. Ah, et du coup, Yumino qui s'est complètement deny son changement d'âge pour faire des scouts qui n'auront pas une efficience de ouf. Bah, au final, ils peuvent lui prendre toute son armée. Hein. Ouais, il va prendre Là, l'armée. il... Mais à quel prix? Après, là, pour moi, c'est qu'il... Enfin, Bah, regarde la banque de Florimond, regarde la banque de Yumino. Ah non mais c'est... Florimond, il sait qu'il a juste besoin de lanciers et de tirailleurs pour défendre, il n'a pas besoin de beaucoup. C'est qu'heureusement qu'il est fou, elle donne le TC Florimond. Ah oui, 29 à 34, j'avais pas fait gaffe.
Ça, ouais, c'est problématique. D'ailleurs, on va faire une grosse transition sur sur la chasse. Ce sera une game Bon, bordélique après, là. ils... Yumino, ils s'en parlent énormément. L'archer, C'est la l'archer, il cornue, en ça. bas. Ça peut être dramatique. Ça peut être drasatique. Ah oui, la quantité d'archers qui arrivent. Oh là 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 là. Surtout qu'il a plein de low life. Oh, le beau move du coup pour Yumino. Et qu'il a qu'un tirailleur. Ouais, là il faut presque engager avec les péons aussi s'il veut se donner une chance de contester ça. Mais il ne le fait pas. Il refait des manatarmes. Ah mais. C'est trop tard là, ils sont trop endormis sur les mains de temps pour en refaire à ce timing là, ça sert à rien. Pas s'il fait une tour un peu. Allez, là on rentre dans la tour, on attend que les manatarmes arrivent. Ah bah non, Non, il rentre pas. non, ok, bon, et on n'engage pas non plus, ok. On préfère faire la sieste. En même temps, rien de tel qu'une bonne sieste. Surtout là. Le bois en bas. Le bois en Il bas a un là, mar. c'est un carnage. Il a un marché, Yumino? Non, il a pas de marché. Hein. C'est dommage hein, d'être sarrasin, de pas faire de marché. Là, il pourrait cliquer château. C'est vrai que le bois, il est... Ouf. Ça se rend les coups, là. Beau premier move de Florimond. Beau deuxième move de Yumino, ici. Plutôt pas mal. Il attaque avec ses manatarmes la cave, et il prend les archers avec les tirailleurs. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il faut bien prioriser. Là, il y a des piquets qui commencent à se arriver. Ouais, il y a trop de masse, on est obligé de back le bois. Ouais, Yumino, j'ai l'impression qu'il sait pas trop quoi faire là. 760 de bois en banque, là, il faut faire un marché. Yumino, Sarrazin, c'est Après, bien parce qu'on peut abuser le market comme un cochon. Florimond, il a le marché, mais il s'en sert pas des maths. Ouais, mais Florimond, il est pas sarrasin. Ça se comprend. Et puis là, il sent qu'il a un avantage dans la game. Donc je peux le comprendre, tu vois. Côté sarrasin, on est clairement mal dans son écho. Alors qu'on n'est pas censé l'être justement parce qu'on est sarrasin. Là, il pourrait mettre tous ses péons à l'or et un peu à la pierre et il s'en fiche en fait. Il peut faire tout ce qu'il veut pendant le féodal. Il peut cliquer château. Il peut tout faire. Je sais pas s'il a vu les pions passer. Ah, il a cliqué château. Ouais, Florimond qui aura cliqué en premier. Il faut qu'il arrête de mongoliser sur la tour. Depuis qu'il a vu la tour, il veut la prendre absolument. En même temps, il prend l'or, il prend la game. Ah, Yumino, il a pas l'air de vouloir poser de marché. Il est très loin de pouvoir cliquer. Je pense que c'est pas un gros joueur market, Yumino. Du coup, il a pas l'habitude de jouer Sarrazin pour ça. C'est dommage. J'ai l'impression quand il se fait agresser, il perd un peu ses moyens. Ouais, Ouais. première partie, il a fait toutes les ups, il était ultra clean, et là, les deux parties. Ouais, dès qu'il y a l'agression, c'est compliqué. Il défend bien quand même, mais c'est compliqué de produire en continu. Il y a des décisions qui sont parfois litigieuses, qui pourraient être meilleures. Peut-être un petit manque d'expérience aussi. Il réfléchit peut-être un peu trop. Le passage château va faire tilter Yumino, nous dit Dio, ouais, c'est possible. Alors que, encore une fois, en étant sarrasin, c'est lui qui doit passer premier tous les jours, même en étant derrière en écho. Il continue à mongoliser sous la tour, hein. Il perd tellement. Ouais. Fire. Ah, les fire, c'est un peu tard maintenant. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ah, Un je petit verrai plus fire, les galères. un petit Les démo là, tu galères ou les démons. sais, il sait que l'armée est à droite, le gros de son écho est à gauche, un petit démo sur le chemin. Ah, Et GG. le G qui est colle.
pense pas que ce soit trop tôt, mais voilà, Voilà, faire je les snowballs, hein. tilte dessus, mais l'âge des châteaux, jamais il doit passer derrière dans cette situation, avec cette cible. Bah, il a fini par faire un marché, mais beaucoup trop tard. Ouais. C'est dommage. C'est dommage parce que il méritait de prendre des points, tu vois, sur le BO, vraiment. Et bon, ça se finit pas comme ça. Bah, les deux premières, il était pas loin de les prendre. Ouais. Ça s'est joué vraiment à quelques décisions. Même celle-là, hein. Florimond qui refait des mana tarm, donc ça le délaye. Lui qui a juste à penser à faire un marché et abuse market, c'est game. Monsieur Porcin, on est 100% d'accord. Là, c'est ne pas jouer avec sa cive, malheureusement. Après, tous les joueurs n'ont pas l'habitude du marché, donc ça peut se comprendre aussi. On précise, on est quand même vers 1100 des lots. Plutôt 1080, 1120 que 1150. Hein. Donc, il y a encore beaucoup d'erreurs, c'est normal. On est sur une map où c'est un grand n'importe quoi quasiment à chaque fois qu'on la caste ou qu'on la joue. Donc, voilà. Que ce soit moi, que ce soit d'autres joueurs, je pense qu'il n'y a personne qui a passé des games normales dessus à nos élos. Mais il y avait mieux à faire. Tu vois, parfois tu prends des 3-0, bon bah il n'y a pas de regret à avoir, t'as fait ce que t'avais à faire et t'avais aucune chance. Là, clairement, il pouvait prendre un 3-0 de son côté sur le BO comme il pouvait le perdre, comme ça a été le cas. Bon bah en tout cas ça aura fait un tout petit live du coup, hein. Les games qui ont été assez énervés, assez rapides. Ouais, c'est des joueurs plutôt agressifs. C'était plutôt plaisant à voir. Ouais, c'était sympa à Parce voir. que Équilibré, malgré tout. Yumino il joue assez propre en début de partie. Florimond qui, comme je disais, il a un gameplay un peu à la Hoang, donc c'est toujours aussi plaisant à voir. Surtout que ça commence à se concrétiser un peu plus que quand il débutait le jeu. Du coup, c'était un bel affrontement. Bon, on dit quoi? On dit GG aux deux joueurs. Merci aux viewers. Merci à toi, Rayou. Et puis, on va Ouais, partir de sur un rien. petit raid. Merci surtout aux joueurs. Sympa à voir, c'est parti. Et ça me rappelle des souvenirs. Oui, vu que tu l'avais déjà affronté, effectivement, le Yumino. Yumino, Ouais. voilà. Ouais. C'est la belle Yumino époque. qui était en live a priori, donc on va voir s'il reste en live ou pas, je vais écouter un petit peu, et puis peut-être qu'on partira en raid chez lui, du coup s'il reste. Ah vas-y, qui reste en live ou pas, ça lui fera plus de monde pour son propre raid, s'il en fait, hein. Bonne soirée, Joe. Bonne soirée, encore merci. On reste pour le raid, ça fait toujours plaisir.